Bon, hello les beauty. Aujourd'hui, c'est moi la voix off. Donc, on va essayer de suivre un petit peu le tuto qu'elle fait aujourd'hui, spécial Saint-Valentin. On peut voir les magnifiques yeux. J'ai de la chance, je sais. Donc, bon bah c'est bon, t'as assez montré ta tête, ça serait bien que tu commences. Donc, comme vous pouvez voir, oh là là, c'est quoi cette vitesse de fou là? J'ai même pas pu dire que c'était la marque L'Oréal. Bon bref, elle se tartine le visage avec le truc L'Oréal. Ça doit être un nettoyant ou un purifiant, je sais pas comment ils appellent ça. Donc elle se l'étale sur tout le visage. Là ce qu'elle met, c'est un truc orange anti-cerne, puisqu'elle se les met en dessous des cernes. Donc c'est un anti-cerne qu'elle se met. Faudrait m'expliquer pourquoi il est orange d'ailleurs. Pour bien cacher les cernes, mais après je comprends pas le concept de l'orange qui... mais ça va trop vite la vidéo là, comment vous arrivez à suivre là? Donc là elle met du vert, mais à quoi ça sert ça? Je n'en sais rien, on dirait une sorte de peinture. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs quand même, parce que l'orange de l'anti-cerne plus le vert là, à quoi ça sert? Bon, faudrait arrêter avec tes accélérations, parce que franchement, comment vous arrivez à suivre tout ça? Bon, elle se l'étale partout, donc le truc vert. Elle s'étale le truc vert partout. Vitex accéléré. Là, elle montre encore un truc L'Oréal. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est une base, peut-être un fond de teint. Puisqu'il a l'air d'unifier un peu le teint. Apparemment, c'est ça. Mais vous mettez quand même beaucoup de produits. Hein. Bref. Ok, donc là, elle se remet... Je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est encore au niveau des cernes. Je pensais que c'était déjà mis l'anti-cerne. Donc ça doit être encore une sorte de fond de teint. Donc elle le met pile en dessous les yeux. Ensuite, elle l'étale avec le pinceau. Elle l'étale. Elle étale. En fait, ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est parler comme vous faites, de tout et de rien, pendant que vous faites votre maquillage. Donc je vais essayer de faire ça. Donc là, elle se met encore... je crois que c'est à peu près la même chose qu'elle a mis en dessous ses cernes. Donc là, elle les met au niveau du front, du menton, du nez, de la lèvre supérieure. Elle étale avec le pinceau puis les doigts. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais bon, elle étale. Bon, j'ai souvent des blancs parce qu'en vérité je sais pas trop exactement quoi dire, étant donné que elle met le produit, ensuite elle l'étale. Donc là c'est la même chose mais avec un pinceau différent. Ça m'a vraiment l'air d'une sorte de fond de teint, ouais. Qui a l'air d'unifier le teint. Donc là elle utilise un gros pinceau, ça a l'air de marquer les traits de son visage. Ça lui fait une peau vraiment toute lisse. Hein. Donc là, c'est quoi? Alors là, je sais pas comment on appelle ça, mais elle se dessine carrément des traits sur son visage. C'est ce que vous appelez le contouring, peut-être. Je sais pas trop. Je peux pas utiliser tous les termes techniques parce que j'ai pas envie d'utiliser des termes techniques et je suis hors sujet. Donc là, c'est encore un produit... L'Oréal, une palette, comme elle dit souvent. Là, elle met du rose, peut-être pour faire ressortir les joues. Donc là, je sais pas pourquoi elle fait cette grimace sur le côté. Ah, ça doit servir à pouvoir faire ressortir les pommettes.
Ok. En fait, des crayons à ce qu'on veut maquiller quand même. Donc là, c'est... Je ne sais pas. Une sorte de paillette brillante. Les poules. Un nouveau pinceau encore. En fait, il y a des pinceaux spécifiques pour tout, quoi. Une sorte de gros pinceau. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Ça, elle l'utilise très souvent. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Mais elle l'utilise souvent. Dans quasiment tous ses tutos, je la vois l'utiliser. Donc elle le fout sur ses yeux, ses paupières exactement. Le dessus de ses paupières. Là, c'est quoi ça? Alors, il me semble que c'est pour tracer ses sourcils. Un crayon peut-être. Ouais, ça a l'air d'être un crayon. Elle trace elle-même ses sourcils. Ça c'est... Je sais pas du tout comment on appelle ce truc-là. Une sorte de pinceau avec... Je pensais que c'était que utile pour les paupières, mais en fait c'est comme si elle brossait ses sourcils. Donc ça encore c'est une palette avec plein de couleurs, donc elle remet sur ses paupières, elle les met juste en dessous les sourcils. Donc à quoi ça sert, on va savoir. Ok. Donc une nouvelle couleur sous sa palette. Mais en fait le visage là il est de 3-4 couleurs différentes. Hein. Donc là je comprends pas le but là. Mais en vérité, comment vous arrivez à faire plusieurs choses en même temps en fait les femmes, parce que si on doit parler comme vous le faites en même temps que vous vous maquillez, vous arrivez à avoir une conversation qui n'a aucun rapport avec ce que vous faites. Moi là j'y arriverai pas, puisque je dois me concentrer sur ce qu'elle est en train de faire, je dois essayer de vous expliquer, mais si j'essaie de parler de tout et de rien je suis totalement perdu. Donc là elle met un pinceau avec une couleur apparemment marron, ouais, un marron quelque chose. Donc là, elle trace ça sous ses jolis yeux, ambre noisette, magnifique. La sweet peach, elle sent bon cette palette. D'accord. Donc ça doit quand même être relou d'être une femme des fois, hein. Parce que vous passez quand même beaucoup d'heures à faire tout ça, mais en fait on se rend pas compte de tout ce que vous faites. En regardant cette vidéo je me dis que c'est technique quand même, hein. Donc là c'est une sorte de brillant doré. En fait, en regardant cette vidéo, je comprends pourquoi est-ce que quand on vous dit rendez-vous à 14h, vous avez fini à 16h. C'est pour ça que d'ailleurs, quand moi je donne des horaires, je donne toujours 2h à l'avance. Si on a rendez-vous à 16h, je dis que c'est 14h. Comme ça, je sais qu'à 16h, elle sera prête. Et encore. Oh là là, il faut être précis. Donc elle met ça. Alors là, c'est quoi ça? Elle se dessine avec un feutre noir. C'est quoi ça? C'est pour... C'est pour accentuer le regard, j'imagine. Le truc rose là, je sais pas ce que c'est. Hein.
D'accord, en fait ça fonctionne comme une règle qui te permet d'être droit dans le trait que tu fais. C'est très technique, hein. Alors là c'est volume, ah ça j'ai connu ça. Ça fait ressortir des cils. Ça je trouve ça beau ça. Les cils qui sont bien sortis comme ça, je trouve ça très joli. Oh les yeux. Regardez-moi cette couleur. Magnifique. Alors là, elle utilise un gel crayon de chez L'Oréal infaillible. Et elle fait exactement la même chose qu'elle a fait en haut et le fait au-dessous. Tempting de ses Sweet Patch. Donc elle fait passer le pinceau juste en dessous. Huda Beauty. D'accord, en fait c'est les cils d'Huda Beauty. J'aime bien les cils d'Huda Beauty. Ah là c'est mon rouge à lèvres préféré de Huda Beauty. Je sais plus comment il s'appelle mais j'aime bien cette couleur. Elle fait un peu bonbon. Elle fait rose bonbon, j'aime beaucoup. Et puis ça fait ressortir les lèvres de ma chérie. Ouais, c'est magnifique. C'est quoi ça, vaporisation aérienne? D'accord, ça doit servir à faire tenir le maquillage peut-être, ou juste faire briller, je sais pas. Et voilà le résultat, magnifique les yeux, maquillage sublime, les yeux magnifique. En même temps je suis pas objectif, c'est ma chérie, donc je la trouve magnifique à chaque instant. Et voilà le résultat. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu. Que ce soit moi qui fasse la voix off. Alors gros cœur sur vous. Et gros bisous mes beauty. Bon, n'hésitez pas à me suivre un petit peu partout. Sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat. Et cliquez sur le lien pour voir ma dernière vidéo. Donc voilà. Allez, gros bisous à tous. Et à très bientôt.